Marie est revenue encore. Voilà, le Seigneur il est fidèle. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui le Seigneur vous donne le nom Marie. Gloire à Jésus. Et le ciel vous reconnaît sous le nom Marie à partir de vous. Voilà. Amen. Amen. Et toute bénédiction qui Seigneur Jésus, j'ai pris pour ta servante Marie aujourd'hui. J'ai pris à l'instant de l'onction qui accompagne Marie, la bénédiction qui accompagne la servante Marie. Seigneur Jésus, la soumission, Seigneur Jésus, l'obéissance qui accompagne Marie, les privilèges qui accompagnent le nom Marie, Seigneur, sa taille à son âme à partir de maintenant dans le nom. Seigneur, je prie que cette bénédiction soit son bataille, afin que l'histoire accompagne Marie, Seigneur, témoigne ta vie. Que ta vie témoigne toi dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est ma vie. Aujourd'hui, c'est là. Est-ce que tu as compris? Voilà. Maintenant, dis-moi, comme tu connais ce que tu penses. Amen. Et maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu veux faire au Seigneur Jésus? C'est un vrai Seigneur. Et quand tu chantes, ces chansons-là doivent avoir un pas en ce qui est. Toute ma vie, et la relation que j'ai avec Dieu. Mais voilà, maintenant, tu dois chanter dans voilà. Tu sais ce qu'il doit danser. C'est toi-même qui vas chanter. Toi, chante, Seigneur Jésus. Tu vas chanter et danser. Voilà, et si le peuple n'est pas là,
comment tu vas faire? Pour d'abord gagner, d'abord, hein? Tu vois? Donc, donc avec toi, ce dans que moment je fais pour moi, tu as été déjà, tu as été pas ce qui s'est déjà, n'est-ce pas? Mais toi, il faut chercher à gagner des amis de Christ. Il faut chercher à gagner des parents, des frères, des soeurs qui sont encore dans le monde. Il faut les amener pour Jésus. C'est la première des choses. Si, non, si toi, ce qui te dit, bon, quand je te l'ai sauvé, c'est le ciel. Mais tu vas encore battre le Seigneur en faisant ça. Parce que le Seigneur va te demander, je t'ai éclairé, c'est pour éclairer ta famille. Mais ce que tu n'as pas fait. Si je t'ai enlevé de ta peau, c'est pour que tu viennes à la lumière. Ici, c'est pour que, à ton retour, tu puisses aller témoigner ce que Christ a fait à tes parents. Est-ce que ta bouche fermée ou tu caches tout, tu restes calme jusqu'au bout de l'événement, si tu es dans la vie de moi. Parce que c'est ce que dit le livre de l'Église, c'est qu'il y a trois messages. Si je te dis à un ami, si c'est le but de ce chemin, et si jamais il meurt, celui qui est le prochain, il dit à Dieu, mais toi-même, tu seras plus triste. Ton cas des actes, c'est que c'est bon. Le temps de chanter, c'est Jésus. Donc, c'est la vie de ça. C'est ça maintenant. Il faut aussi dire, il est en train de faire. C'est Jésus qui est en train de faire. C'est ça, c'est un peu. Mais ça, donc nous allons prier, nous allons dire Seigneur, voilà ce vœu, tu es notre père, que tu les oses. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, je vois par exemple, en ce moment, je prie pour elle, voilà le vœu de la Seigneur. Et Jésus, je prie que tu accompagnes dans cela dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour me dire que pas ton amour, pas ta grâce, Seigneur Jésus, que ton onction accompagne, et dont le chant, Seigneur Jésus, coule sur elle maintenant au nom de Jésus. Et que Jésus, est-ce que tombe dans l'œuvre? Seigneur, accompagne-la dans l'œuvre. Accompagne-la, Jésus, dans ce vœu qu'elle a fait en toi. Gloire de ton Seigneur dans le monde. Seigneur Jésus, sois astuce. Que ton nom soit venu au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Sœur Marie, aujourd'hui, nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es mort avec nous. C'est un rempli de ta puissance. C'est un rempli de puissance. Le Saint-Esprit qui vient de vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Jérusalem, à Jérusalem, à Jérusalem. Et ce qui n'a pas changé. Je prie que tu sois maintenant. Oui, ton vent, ton vent de réveillement. Ta puissance en est. En bas de la tête, en bas de feu. C'est-à-dire, embrasse la patrie. Au nom de Jésus. En bas de la embrasse-la. Avant,
Voilà, Jésus. Après ce matin, il va aller là. Tu connais Dieu parce que nous, voilà, on a confiance avec Dieu, c'est que celui que nous servons. Oui. Que partout que je marche, bien avant sa première chose, que ma famille sache qui il est. Je vais monter de sa grandeur devant ma famille. Et le 2, partout je vais mettre mes pieds. Comment je marchais, les gens me prenaient comme si c'était un fermier qui marche. Que ça ne soit plus ainsi. Que ça soit, c'est la fille, c'est la servante du Seigneur qui passe. Voilà, ça, amen. Nous allons le voir, nous allons dire. Voilà ce que ta servante sortit. Seigneur, elle a parlé pour t'éprouver. Parce que ta parole dit, mettez-moi à l'épreuve. Seigneur, tu es le Dieu qu'on peut prouver que tu es pour moi. Seigneur, c'est quand es-tu Jean? Et nous allons dire, Seigneur, reprends, exauce cette vie. Seigneur, Jésus, tu es pour moi. Seigneur, que tu agisses dans le monde. Je prie que tu accompagnes. Seigneur, que là, papa, pour amener ceux qui sont dans ta famille à toi. Seigneur, elle veut gagner sa famille à toi. Seigneur, je prie que tu ne soutiens pas. Je ne garde pas le silence. Mais je prie que tu mettes ta vie. Seigneur, je dis comment elle est. Que tu mettes ta vie. Je dis, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que tu veux que le Seigneur fasse. Il a déjà fait. Regarde, tu l'as déjà fait. Mais t'as pas besoin. Qu'est-ce que tu veux faire, le Seigneur? Je veux te servir en vérité, en esprit. Je veux que si je l'appelle, je l'appelle avec la joie, parce que j'ai de l'assurance qu'il est là déjà. Et lui servir. Je veux aussi obéir à ses paroles. Je veux aussi pratiquer de sa parole. Selon la manière dont il m'a appelé avec lui. De même manière, je veux lui servir. Beaucoup, c'est beaucoup quand même. Voilà Jésus, voilà nous allons encore une fois. Voilà ce que je dis. Voilà les deux verbes. Voilà les promesses que je fais. Le fait que le Seigneur l'a promis de servir Dieu en son intégrité, avec la foi, avec justice. Nous allons prier dans le Seigneur. Seigneur Jésus, elle veut t'adorer en esprit et en vérité. Jésus, papa, je prie que tu fasses la flamme avec ton Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Notre Seigneur, Rebecca, aujourd'hui nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es mort avec nous. Mets à ses reins la ceinture de vérité. Mets à ses reins la ceinture de vérité. Seigneur, mets à ses pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Mets à ses pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Mets dans sa main gauche le bouclier de la foi. Mets dans ta main droite l'épée de l'esprit. Tu saisis ton épée. Tu saisis ton épée. Tu saisis ton épée. Tu saisis ton épée au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Révèle-la de ta gloire. Révèle-la de ta gloire. Casse ta vie dans ta gloire.
Cache ta vie dans ta gloire. Cache ta vie dans ta gloire maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu la ouvres maintenant. Mène-le dans ta lampe. 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 Seigneur, tous les dons que tu as mis en elle, sois enflammé. Sois enflammé. Sois enflammé. Sois enflammé. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Révèle de ta fermeté. Ta fermeté. Ton manteau de fermeté. Maintenant, pour commencer la marche. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux qu'il me façonne à nouveau. Je lui demande qu'il n'a qu'à me donner la force et aussi le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle avec le zèle, sans la honte, sans la peur. Qu'il m'accorde l'humilité. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus. Amen.
C'est la sœur Esther. Notre sœur Esther, aujourd'hui, nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu es mort avec ressuscité avec Seigneur Jésus, je prie le prendre dans le nom de Jésus. Seigneur, rampe-la, 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 tout le don que tu as mis en œuvre, le zèle que tu as mis en œuvre, soit activé. Enflamme ton âme, enflamme ton âme, enflamme tout le don que tu as mis. Que ce soit rempli de ces choses. Merci. Selon les recommandations des figures sacrifiées, révèle-la de ton cas de salut, révèle-la de ta couleur de justice, révèle-la de ta sainte de vérité. Mets à tes pieds les chaussures du verbe de l'évangile. Mets dans ta main gauche le bouclier de la foi. Tout saisit ton bouclier au nom de Jésus. Et Jésus, mets dans ta main droite l'épée de l'épée. Tu saisis ton épée. Tu saisis ton épée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, révèle-la de ton manteau de fermeté. Révèle-la de ton manteau de fermeté. Révèle-la de ton manteau de fermeté. Seigneur, moi là, tu es mets de lui dans son lampe. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen. Elle a dit que ce sang léger. Amen. Le fardeau a tombé. Jésus-Christ l'a déchargé. Amen. Et maintenant, si tu veux maintenant, c'est le plus. Voilà, c'est le plus. Amen. Voilà, aujourd'hui, c'est le grand jour. Alléluia. Peut-être vous pouvez penser à la légère, mais le ciel est la joie. Parce qu'il est écrit que quand une brebis qui était égarée revient à la bergerie, alléluia, le ciel est à la joie. Le ciel est à la joie. Quand vous êtes tous égarés, trois brebis qui étaient égarées, qui étaient perdues, et qui s'est parti lui-même, les chercher, ils sont venus. Regardez, imaginez, ça dit la joie du ciel. Peut-être nous, bon, nous on peut dire que ce n'est rien, mais le ciel est dans la joie. Donc tout ce que le Seigneur vous demande, ce n'est pas la vie. Faites comme on dit là, ce n'est rien. Attends, comment tu fais là? C'est pas que c'est important, c'est important. Mais ce qui est très très important, c'est votre vie. Mener après tout cela, dès maintenant, la vie que vous allez mener là, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui va vous accompagner au ciel. Parce que tout ce que vous avez fait avant, c'était comme c'est une éternelle ignorance, vous ne saviez pas. Et ça, vous n'avez plus pas un moment de chaud de repentance, le Seigneur va pardonner, vous a complètement pardonné et effacé. Mais juste pour vous dire, c'est de là maintenant votre compte est revenu à zéro. Et maintenant, c'est maintenant que vous voulez démarrer maintenant avec votre vie. Et pour que cela soit une nouvelle vie. Éphésiens 5, verset 1er. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Christ nous demande ici quoi? D'être ses imitateurs. Christ a été, il est resté sur la terre, il n'a jamais péché. Donc,
Si nous disons que Galates 2, si nous vivons, c'est nous vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vient à nous. Si Jésus vient en toi, il doit imiter, il doit mettre tes pas dans ses pas. Comment Christ a été, quand il était, Christ, nous savons déjà que c'est le Dieu même, il a lâché les venus sur la terre. Et maintenant, quand il était venu sur la terre, comment lui-même il a marché? Il était venu, c'était juste pour nous donner un exemple. Voilà comment vous devez marcher sur lui. Donc, oui. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés et obéis. Et marcher dans la charité. Amen. Amen. Vous devez marcher comme des enfants qui ont écouté la parole et qui l'aident à la vie. Ah, il y a un nom, il n'y a pas un sénateur ici, il y a personne ici. Je vais le faire rapidement. Mais n'oubliez pas, un voleur qui regarde, qui veut voler et qui regarde à gauche, à droite, qui voit, ça reste où il n'y a pas resté. Si vous pouvez se souvenir, il y a quelqu'un, il ne va jamais voler. Amen. Donc ne voyez pas que bon, comme je suis dans ma maison, je suis chez moi, il n'y a personne là, je vais faire ce que je veux. Mener ma vie comme je veux, ou surtout ce qui se constate, c'est que les soeurs dans la maison, ceux qui ne peuvent pas porter pour venir à l'église, ils portent ça à la maison. Ils disent que non, nous sommes, je suis dans ma maison. Oh, dans ta maison, il n'y a pas Dieu dans ta maison. Si non, si Dieu n'est pas dans ta maison, alors tu peux faire tout ce que tu veux. Là, Dieu ne croit pas. Mais si tu es conscient que Dieu est dans ta maison, tu dois, ce que tu ne dois pas faire à l'église, tu ne dois pas faire dans ta maison. Oui. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Et marcher dans la charité, l'amour, ça dit moi, il devait marcher dans l'amour. Alléluia. Moi, mon comportement ne peut pas être le même que l'autre. Donc, nous devons nous s'aimer. Même si le comportement est mauvais, tu t'adaptes, tu acceptes à cause du ciel. Parce que toi, tu ne peux pas l'amener à être comme toi. Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc nous devons nous apprendre aussi à se supporter. Oui. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Amen. Pour nous, donc, vous devez vous sacrifice. Aimer les uns les autres. De bonne odeur. Vous devez vous aimer les uns les autres. Parce que ce n'est pas l'amour que Christ a pour nous. Ce n'est pas cet amour. Il s'est donné comme sacrifice pour nous racheter. Alléluia. Et comprenez aussi quelque chose. Hein. Quand on parle de Christ là. Christ ne peut jamais descendre, mais tu dois voir Christ à travers ton prochain. Alléluia. Quand tu le vois, quand tu parles, c'est comme si c'est Christ qui te parle. Tu dois, quand tu le vois, tu vois. Monsieur, il y a un passage qu'on lit souvent, où Dieu dit, j'étais nu, je ne veux pas revêtu, j'avais faim, je ne veux pas donner à manger. Mais est-ce que c'est Christ qui t'a demandé, qui a gardé de demander de lui? Ce n'est pas lui-même. Mais quand vous le faites à quelqu'un, c'est déjà à Christ que vous le faites. Donc n'ignorez pas cela. C'est très important. Donc aucune espèce d'impureté ou d'impudicité ne doit pas être remarquée à votre état. Oui. La cupidité. La cupidité, voilà encore. La cupidité, quand on parle de la cupidité, c'est quelqu'un ou celle qui aime trop l'argent. C'est-à-dire maman. Un, deux, agent. Et jusqu'au point où l'agent prend la première place dans ta vie et tu mets Dieu en dernière position ou en troisième position ou en deuxième position. Tu n'aimes pas ça. Dieu a été clair, il a dit que c'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Et il est sévère sur ça. Tu tiens des arguments, des raisonnements juste pour mettre l'œuvre de Dieu en deuxième position. Dieu n'aime pas ça. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, oui. Ni propos insensés, ni plaisanteries, oui. Choses qui sont contraires amen. À la conscience. Oui. Qu'on entende ce que des Dieu actes dit. De grâce. Ah non, je l'ai juste dit pour arracher les souris. Je l'ai juste dit pour le faire sourire. Je l'ai juste dit pour voir sa réaction. J'ai juste dit pour voir ce qu'il va dire. Non. Enfant de Dieu, non. Tu ne plies à cette étape. Tout ce que tu sors de ta bouche là, tu vas être quelque chose qui édifie l'autre. Qui t'a dit un témoignage, ah Jésus m'a fait ça, ah Jésus qui est capable de faire ça, Jésus m'a fait ci, il m'a fait ça. Qu'on sent des choses édifiantes de ta bouche. Ne soyez pas des complices, mais menez une vie crue et soyez transparente. Soyez transparente, que votre vie soit oui et que votre non soit non. Alléluia. Personne ne peut jamais te tuer à cause de votre vérité. La vérité est toujours amen. Mais. Jamais tu es à cause de la vérité, je ne crois pas.
Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà, là le Seigneur nous demande d'examiner. Examinez ce qui est agréable. Ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas aux œuvres infructueuses. Mais plutôt condamnez-les. Les œuvres qui ne peuvent pas être faites. Les œuvres dans lesquelles il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ne les prenez pas. Ne les prenez pas. Mais au plus, qu'est-ce qu'on avait dit? Il avait dit, mais condamnez. Nous avons cette autorité là, nous avons ce pouvoir là. C'est pourquoi quand vous voyez des fois, il n'y a pas de problème. En fait, les gens disent qu'on juge. C'est pas qu'on juge. Mais la Bible dit quoi? De les condamner. On condamne ça. Nous, on condamne ça. Le complexe, nous, on condamne. L'impureté, nous, on condamne. Le complexe, nous, on condamne. Alléluia. Le mensonge, on condamne. Habiller ceci, on condamne. La Bible nous a donné ce pouvoir là de condamner. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse totalement. Et que ce feu que vous avez reçu, que ce feu embrasse le monde entier. Que ce feu embrasse toutes vos familles. Et que tous dans l'eau, vous avez juré. Les gars des âmes pour Jésus-Christ. Donc faites tout possible pour commencer. Même aujourd'hui même, vous devez commencer par garder des âmes pour Jésus. Alléluia. Parce que nous ne savons pas quand Jésus-Christ reviendra. Mais si Jésus revient, il dit, te demande, quelle âme, combien d'âmes tu m'as amené dans la maison? Zéro. Alléluia. Oh, il a dit, qui t'a sorti de ta famille, et t'a lavé, purifié, et t'a dit, mais t'as maintenant va, maintenant sauver les autres. Nous sommes sauvés pour sauver. N'oubliez pas, nous sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Donc que le Seigneur soit avec vous. Que nous te confions le Seigneur des armées. Nous savons que quand tu es rentré, quand tu es sorti des eaux, tu as été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Oui, elles veulent te suivre, poser leurs pieds dans l'empreinte de tes pas. Seigneur, dans cette marche, nous avons besoin de ton soutien. Alors soutiens les chefs, Seigneur. Soutiens chacune d'elles, Seigneur, dans cette marche. Fortifie les Seigneurs. Donne-les la grâce de tenir fermement jusqu'à la fin, Seigneur. Car tu nous réserves quelque chose de grand et de merveilleux, Seigneur. Alors, elles vont certainement passer dans leur désert, chacun dans son désert. Mais dans ce désert, tu as promis d'être avec chacun de nous. Alors soutiens-les dans cette marche. Fortifie les Seigneurs. Revêt les Seigneurs, le Dieu des armées, de toute ton armure céleste pour le combat victorieux. Papa, merci Seigneur. Seigneur, tout ce qui est amertume dans leur cœur, débarrasse-les de ça. Tout ce qui est en elles qui n'est pas de toi, débarrasse-les. Maintenant, elles ont pris l'engagement de faire la marche avec toi. Alors Seigneur, soutiens, fortifie, tonifie les Seigneurs. Sois leur conseiller au quotidien. Et donne la grâce de rester focalisé sur toi. Papa, merci. Tu le fais au-delà. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus.